Salut! Une petite vidéo juste pour te montrer comment je fais un peu, comment je prépare mes cheveux pour une coiffure longue durée. Donc là, je vais faire des petites nattes. Donc j'ai l'habitude de séparer mes cheveux en deux, mais il faut que je perde cette habitude à cause de ma chute au milieu de la tête. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo qui arrive très bientôt. Donc quand tu te coiffes comme ça, franchement, ne fais pas comme moi. Je n'avais pas vraiment bien démêlé mes cheveux. Erreur. Donc, on m'a offert de nouveaux produits à essayer. Je me suis dit que c'était l'occasion. Donc là, c'est le soin démêlant. C'est un spray. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. Je l'aimais bien. Je pouvais bien démêler au doigt. J'ai juste pas assez de recul vraiment pour vous dire. Mais en tout cas, il était bien. J'ai l'impression quand même qu'il séchait assez vite. Mais il était plutôt bien. Et oui, j'étais en visio avec des amis, mais franchement, quand vous faites une coiffure protectrice, si vous ne regardez pas la télé, enfin, si vous n'êtes pas quelque chose, ça peut être long, hein. Donc tu vois, quand je te dis démêle tes cheveux avant, c'est pour ça, parce que j'ai perdu tellement de temps à démêler, à essayer de séparer, à me rendre compte que c'est toujours trop emmêlé, à démêler. Oh là là, j'ai fait 2 après-midi ma coiffure qui aurait pu se faire qu'en une seule fois. Donc j'ai cassé des cheveux, donc c'est contre-productif et j'ai perdu beaucoup de temps. Alors là, c'est le lait, donc c'est un activateur de boucle, mais c'est aussi un lait hydratant. Et pour le coup, je peux déjà te dire que je l'ai beaucoup apprécié. Il nourrit les cheveux et bon, comme tous les produits contour, ils sont super bons, mais vous sentez vraiment que vos cheveux sont hydratés. Il m'a un peu rappelé le Leave-In Contour que j'ai utilisé pendant 6 années et que j'ai arrêté juste parce que j'étais curieuse de découvrir d'autres choses. Mais le format en bouteille, laisse tomber, c'est horrible. Oh là là, enfin pas horrible, j'exagère. Mais c'est dur à faire sortir le produit en fait. Et donc là, j'ajoute le gel pour sceller l'hydratation, hein, ça garde l'hydratation. Et aussi pour faire des petites boucles, même si en vrai mes pointes sont rentrées. Donc, mais c'était juste histoire de faire un petit style, on va dire. Et voici mon résultat, 2 jours plus tard. Mais c'est pas grave, je suis contente, j'ai fini. Donc voici un peu ce que ça donne. Donc les nattes donnent moins de volume que les vanilles, mais je trouve quand même que des nattes restent plus longtemps. Et là, je voulais vraiment essayer de faire un mois. Du coup, j'ai opté pour les nattes. Et toi, si tu le fais, qu'est-ce que tu préfères, les vanilles ou les nattes? Je te montre également des coiffures que j'aime faire avec mes cheveux. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vraiment te montrer plusieurs coiffures vraiment différentes, que ce soit pour le sport, pour aller au travail, pour sortir, histoire de pouvoir toujours jouer avec tes cheveux. En tout cas, je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine. Lâche-moi un petit like, on se donne rendez-vous dans les commentaires. N'oublie pas de partager la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine.